on écrivait. Fait que moi, je voyais eux qui avaient un talent de fou. En impro, c'était des machines, là. C'est pas idée. Puis même s'ils en font pas dans leur show, tu sais, d'impro, ils font pas ça souvent. Ils sont hallucinants pour ça. Bon, on le voit. Les podcasts, des fois, et comme tout ça. Comme les machines d'humour, là. Ah ouais. Les bêtes de scène, là. Oh, merci. Merci. Fait que c'est ça. Fait que eux, l'année qu'ils se sont inscrits à l'école d'humour, ça a été les derniers à passer en audition. Puis moi, je les talonnais. Les gars envoyaient. Non, ouais, wow, mais tu sais, c'était. Il y avait 18, exact. Ouais, t'as le gros. Mais vraiment. On avait fait ce job en spectacle, déjà. Ouais. Libération des juges. On faisait 40 minutes. On avait 4 phrases d'écrit. On disait, ben là, tu parlais de ta femme en papier. Là, on chantera ce tune-là. On partait avec une tune en langage inventé. Puis genre, je me rappelle plus, là, c'était ton dos. 2 minutes 20, le Darryl Morrison Badge Dinner. Pis Chris, ça levait. On vivait des bons moments. Moi, j'étais dans la foule. Des claps là-dessus, le stick du recul. J'étais dans la foule, puis ils ont fait lever la foule debout. Puis ils leur ont demandé de crier. On va dire une phrase, crier ça très fort longtemps. 3 minutes de temps, on l'a sur tape, ça. Faut tuer Yves Corbeil. C'était ça la phrase. Faut tuer Yves Corbeil. Faut tuer Yves Corbeil. Ils sont 1000, puis on crie ça. Moi, j'avais les yeux pleins d'eau. Il se passe de quoi? C'est-à-dire qu'il y avait une autre dimension en arrière de la roue, puis qu'elle a fait des affaires là-bas, puis fallait le stopper. J'ai vu qu'il y avait un pouvoir, là, tu sais, ils connaissent pas, là. On fera pas ça. Tout le monde à la seconde. Ça marcherait plus là, que nos fans, ils embarqueraient pas tant. Faut tuer Yves Corbeil, là, tout le monde. On va là, deux autres, les deux gelés, là, que personne connaît.